Bonjour très chers auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie. Je suis Julienne et je vous accompagne chaque jour avec la méditation quotidienne, un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Aujourd'hui, 10 mars, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Tu es à moi pour toujours et au-delà même du temps, jusque dans l'éternité. Rien ne peut te priver de ton héritage dans le ciel. » Je veux que tu comprennes bien à quel point tu es en sécurité. Jamais je ne lâcherai ta main, même si tu faiblis dans ta marche ici-bas. Savoir que ton avenir est entièrement assuré peut te libérer pour vivre dans l'abondance aujourd'hui. J'ai préparé cette nouvelle journée pour toi, avec la plus grande tendresse, en prêtant attention aux moindres détails. Au lieu de l'envisager comme une page blanche à remplir, c'est de la vivre dans une attitude de réceptivité à mon action, en cherchant à discerner ce que je fais. Cela semble facile, mais cela nécessite de ta part une profonde confiance fondée sur la certitude que mes voies sont parfaites. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés du livre des Psaumes, chapitre 37, les versets 23 à 27, et le chapitre 18, verset 31. Je vous souhaite de passer une belle journée dominicale et une très belle célébration de l'Eucharistie en vous donnant rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte-Marie. La radio de l'espérance chrétienne.